Yo les gens du Bosque, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer un popper. Donc pour la pêche. Donc c'est la première fois que vous me voyez en vrai. Donc bah c'est parti hein. Donc c'est un popper très très simple à faire et à avoir du matériel. Donc vous aurez besoin d'un bouchon liège, d'un bouchon de bouteille. Donc moi j'ai mis ce qu'il faut dedans, mais je vous montrerai quand même comment faire. De un clou grand, un clou petit. Après, vous aurez besoin de deux tridents, donc un trident normal et un trident où j'ai plié l'œillet ici. Donc voilà, deux colles fortes. Et je crois qu'on est bon pour le matériel. Donc on va commencer. Donc je vais pas faire de couleur sur ce leurre. Et mais je vous en ferai, enfin je vous montrerai à la fin ce que ça donne avec la couleur. Et du coup c'est parti. Donc ceci, on va le faire comme un tire-bouchon pour le mettre. Donc on fait tire-bouchon. Donc c'est un petit bout de fil de fer que j'ai mis pour faire pour accrocher à votre canne à pêche. Donc ici. On serre comme ça. Donc ici, vous avez toujours un petit écart. Là. Mais on va le reboucher avec la colle forte. Après ici, ben, vous prenez votre clou. Votre hameçon avec l'arrière tordu. Enfin, l'œillet. Donc vous le passez dans votre clou. Comme ceci. Donc ça va donner ça. L'hameçon n'aura pas beaucoup Il pourra pas beaucoup bouger. Donc vous l'enfoncez. Comme ceci. Donc ça donne ça pour l'instant. Donc après, vous prenez votre petit clou. Vous prenez votre hameçon, donc normal. Tac, si j'arrive à le passer. Ici, du coup, ça donne ça. Et vous allez le mettre dessous le leurre. Donc vous choisissez en fonction de votre bouchon comment il est mis. Et moi j'avais fait un pré-trou si je le retrouve ici. Donc là, je le mets là. Si j'arrive, comme j'y arrive pas, je le mets et je vous retrouve juste après. Du coup en fait les gars, j'ai juste collé l'avant. Ici, donc comme vous pouvez le voir. Et en fait, j'ai décidé de le peindre. Donc j'ai enlevé les hameçons. Et on le peint. Et vous allez bien voir le résultat de toute façon.